Il va monter à combien? 7 millions. Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Alors aujourd'hui, on a El Famoso, El Grandissimo, Goku et Freezer LR. Ça fait grave plaisir. Donc le Freezer Tech, cette vidéo sera publiée normalement le jour de sa sortie. Comme vous voyez, cette fois il n'est pas à 100% pour l'instant. Il est avec l'arbre gratuit du coup. Oh, magnifique, la carte elle est super belle. Donc il a l'arbre gratuit pour le moment, tranquillement monté avec l'arbre gratuit. Le petit coup critique sur les techs, quoi, il a 10%, voilà. Et juste après, on ira le tester en test 100%. Voilà, c'est vrai que c'est plus intéressant de tester d'abord les persos en arbre gratuit et après à 100%, parce qu'on les a pas tous à 100% tout simplement. Et je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus les frérots, parce que franchement ça demande un peu plus de taf de faire ça, j'ai pas trop de temps en ce moment, mais je l'ai fait juste pour vous. Ça fait grave plaisir si vous m'encouragez, etc. Et puis voilà, du coup on va partir dans la team avec un Goku et ses J4, puis en ami leader, donc 150% de boost. De mon côté j'ai 167% de boost d'attaque pour la catégorie survivant de l'univers. Alors représentant de l'univers 7, pardon. Donc vous voyez la team, en fait c'est juste une team pour activer les liens, en gros, voilà. C'est juste une team pour activer les liens, donc ils sont guerriers vétérans et duo de rivaux qui rajoutent chacun 10%. Donc Fierce Battle 15% va s'activer tout le temps. Et pouvoir légendaire avec le Goku et Saiyajin 3, donc Karmic qui rajoute 5000 d'attaque pour les persos légendaires, voilà. Ça fait plaisir, donc on va partir sur l'event de Thalès parce que le boss rush n'est pas disponible. Allons-y, let's go, c'est parti. Donc le Thalès, il va avoir une barrière. Faudra surtout regarder les valeurs d'attaque des persos, parce que c'est vrai que au niveau des dégâts tout simplement, ils seront réduits vu que c'est une barrière. Vu qu'ils ont une barrière, ça va forcément taper moins fort. C'est vrai que j'ai souvent voulu faire voilà, les tests arbo gratuit et à 100% les deux. C'est quelque chose qui demande un peu de taf. Donc, et qui demande surtout que je recorde plusieurs fois, donc que je mettais les enregistrements bout à bout. Donc c'est un peu relou, mais cette fois, just for you, je l'ai fait. Juste pour vous, je l'ai fait. Donc, on va commencer tout simplement avec la petite, le petit arbre gratuit. Donc là, on a Topo en support. Donc, je crois que c'est un mec de boost. Voilà. On a du 142 mini ici. On va viser lui, comme ça on aura l'avantage de chip. Est-ce qu'on va pouvoir partir en spé ultime? La réponse est oui, magnifique. Spé ultime dès le début du combat, ça fait plaisir. On va voir la magnifique spé. Et rien que pour ça, je vais mettre le son. Rien que pour ça. Juste écouter. J'ai bien vu la valeur d'attaque là. C'est arbre gratuit là. J'ai mis un arbre gratuit, c'est pas 100% là. Il fait des dégâts de perso à 100%. Il a fait du 4 millions. Mais genre j'exagère pas hein. C'est vraiment abusé. Oh là 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 là. À savoir qu'il n'était même pas à son plein potentiel, vous savez pourquoi? Parce que il a plus 77% d'attaque au début du tour, plus 77% d'attaque quand il met sa spé ultime. Et en plus il a 77% d'attaque quand l'attaque de l'adversaire elle est baissée. C'est à dire que si l'adversaire il a une réduction d'attaque sur son passif, il va faire 70. Donc on n'a même pas les dégâts maximum là. Et on n'a pas critique non plus. Oh, incroyable, c'est le perso qui tape le plus fort du jeu je crois. Attends, on va réessayer. Là du coup on a toujours pas la réduction d'attaque, mais on a lié un guerrier vétéran en plus. C'est pas possible. Il est complètement malade ce... C'est un truc de malade ce LR. C'est des malades mentaux en fait ce qu'ils ont fait là.
c'est des ouf. Ils ont cassé le jeu. Ils ont vraiment cassé le jeu là. Oh là là là. Oh là 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 là. Bon là je prends cher par contre. On va voir avec la réduction de dommages du coup ça va. Enfin avec la réduction ouais. Enfin avec pleine puissance du coup. Voilà. Voilà parfait. Donc là on va le mettre lui ici. Hop, on va faire ça. Oh, regardez, regardez le kick que ces 17 donnent. Hop. Est-ce qu'il y a un petit Senzu là? On a le petit Senzu. Bon là du coup, on a tous les liens d'activer. Il va avoir une réduction d'attaque. Pitié qui critique. Bon voilà, lui il va lancer. Ah non, stun le pas s'il te plaît, ne le stun pas. Non, il la stun. Punaise, il la stun. Enfoiré, il la stun. toujours pas de critique. Toujours pas de critique. Ok, d'accord. Bon, le but là, ça va être lui baisser son attaque. Du coup, on a tapé son tech pour le faire ici. On va faire comme ceci. Voilà, l'attaque va être baissée. On va le mettre là. Hop, on aura tous les kits pour les l'air. Donc là, l'attaque va être baissée au prochain tour. On aura tous les d'Akrida à part pouvoir légendaire. Du coup, le petit tapio qui fait sa spé. Hop. Franchement, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oh là 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 là. Qu'est-ce que... N'importe quoi. Ce perso les gars, il est incroyable. Non, j'ai vraiment pas. Il est pas à 100% d'habitude. J'ai l'habitude de faire des tests. Enfin, j'ai l'habitude. Genre, j'ai déjà fait quelques tests 100%, vous avez pu voir sur la chaîne. Et genre les dégâts, il y a un peu autant de dégâts que lui quoi. Merci à vos frères qui s'abonnent pour 4,5 millions de valeur d'attaque. Critique. Est-ce qu'il critique? Est-ce qu'il va critique? Ah mais non. Depuis tout à l'heure j'attends un critique, mais en fait je suis bête, il est pas à 100%, j'ai tellement l'habitude. En fait, il est pas à 100%, c'est pour ça qu'il critique pas depuis tout à l'heure. Donc, c'est pas étonnant en fait. C'est pas étonnant qu'il critique pas. Ok, d'accord. Incroyable. Bon, là, on a oublié de partir en soi en fait. Le but, ça va être de lui baisser l'attaque là, tout simplement avec le tapion. 4,5 millions de valeur d'attaque, les gars. 4,5 millions. Et il n'y avait pas le Goku à côté, donc il n'y avait pas le lien. Le lien des LR. Le lien DLR n'était pas présent. Oh là 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 là. Punaise. Après cette attaque là, au prochain tour, on va passer à la version 100%. Parce que ça va faire très très long. Ouais, j'espère. Oh, ça va, on n'est pas mort. Ça aurait été un peu ridicule. Du coup, là, il a l'attaque baissée. C'est bon, on a assez. Ah là là, comment il se lit trop bien les deux, le Super T17 et le Goku Freezer du coup. Bon là, ça va être la dernière spé du coup. Parce qu'il va pas crit de toutes les manières, il va pas crit. 5,100 doublons. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce perso de Barjo? Oh là là là, bon, on va passer à la version 100% parce que c'est juste incroyable, je suis super pressé de voir combien il fait. Re, du coup, là on est sur l'event de Goku Kaioken Blue. Ça va être juste incroyable, on a pris cette fois un leader, Ami qui est Jiren, donc 150% toujours d'attaque et de défense et d'HP. On a toujours notre Goku Freezer, 177% en leader. Ça va être juste incroyable, tout le temps la même composition de team. On y va, et cette fois il est à 100%, on va pouvoir voir des dégâts de mal. Rien que les dégâts d'avant, vous vous souvenez, il faisait du 5 millions sans double. Pekwan qui va réduire l'attaque, donc c'est parfait. On va avoir le Pekwan qui réduit l'attaque, on va le mettre ici. On va partir en B. Très bien, très très bien. Très très bien tout ça, ça s'annonce plutôt bien. Ok, on va faire ça. Il va lui baisser son attaque du coup. Le Goku Freezer va apparaître au prochain tour. Il aurait déjà l'attaque baissée et il va s'en donner un pur en joie. Il va juste avoir à le frapper. C'est juste. Ce LR, les gars, je savais pas qu'il était aussi fort. Genre, je. Il fait autant de dégâts qu'un LR premium à 100% alors qu'il a aucun double. Genre, c'est un truc de mal. C'est un truc de barjo en fait. C'est juste un truc de barjo. Hop, on est au milieu, il a 123 000.
Ouais, donc voilà, il a 123 000 kills. On va. L'attaque est déjà baissée. L'attaque est déjà baissée donc. Oh là là là. Comment il se lit trop bien avec le 6-17 de DB Super, c'est incroyable. 5 millions de valeur d'attaque. Il a tous les liens d'activer. Il avait pas son boost en plus. Il avait pas son boost de 68%. Oh là là. Oh là. Quel monstre. Quel monstre. Quel monstre. Quel monstre. Donc là, est-ce qu'on peut partir avec Tapion? Non, on peut pas. Avec peut-être. Oh, avec le Pequen, on peut. On peut réduire l'attaque avec le Pequen. Est-ce qu'on peut. Non, on va attendre. On va laisser. Enfin, quoi que ce soit. On aurait dû le faire. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tac, on va mettre le tapion là. Prochain tour, on a qui? On a Goku et CG3 et le topo. Il y a personne qui baisse l'attaque. Faut que je réunisse le C17 et lui encore une fois. Faut que je réunisse les deux en fait. Faut que je réunisse les deux parce que le combo il est juste incroyable. Bon, on se prend une spé, mais aux F, hein, c'est pas important. Pas important. Du coup, là, on a l'occasion de voir combien il fait. Donc, quand il est en. Quand il est tout simplement. Il utilise sa première spé, donc on va avoir tranquillement ça. Hop, on va prendre ça ici. Alors, il monte à combien? Sachant qu'il a pas le boost de la réduction. 2 millions de valeur d'attaque. Oh, joli. C'est même pas ses dégâts maximales, c'est ça en fait le truc de malade. C'est même pas ses dégâts maximales en fait. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est juste incroyable. Tac. On va lui baisser son attaque là contre deux fois qu'une même. C'est peut-être C17 toujours aussi bien. Ouais bah tu le pas quand même. Hop, on va prendre ça comme ça. Du coup, on va avoir tous les liens d'activer là. Ça va être juste un truc de ouf. On va avoir tous les liens d'activer. 1, 2, 3, il y aura pas assez là. Je change quoi ça. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Bon, pour la dernière, on va mettre le petit boost de 30%. En espérant qu'il crit. Normalement, il y a une baisse d'attaque sur le perso. Là, il y a la baisse d'attaque. Surtout. Il y a la petite baisse d'attaque. Il va monter à combien? 7 millions! Oh là 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 là, ce monstre. Bon bah voilà pour cette petite vidéo les frérots, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, sérieusement. Ça fait grave plaisir, c'est ça qui me donne de l'énergie et de la force. Ça même quand je suis fatigué, voilà. Abonnez-vous, n'hésitez pas à activer les notifs. Voilà, ça fait grave plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite pas de beaucoup de grosses invocations. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.